même insensé, hein. C'est toi qui vas, tais-toi. Encore heureux. La chambre est dégueulasse. La chambre est dégueulasse. Ça se boit pas, monsieur, hein. Oui, tu peux sniffer. Hein, on ouais, l'a ça, lavé. J'ai nettoyé, ça c'est hein? Sûr que j'ai nettoyé parce que c'était dégueulasse. Hello les amis, bienvenue dans ce nouveau jour qui est cette nouvelle journée. Ma fille est en train de faire le ménage à la place de moi. Je suis crevée, je n'en peux plus. T'as plus qu'à aller faire en bas, c'est juste ça. Ouais, mais ça en bas, quand le gamin est parti, on le fait. Hein. De toute façon, il faudra le faire parce que papy et mamie reviennent bientôt. Demain, En plus, il faudra peut-être aller faire chez eux, ça il faudrait une fois aller voir. Mais ça, sinon on laisse, on verra bien. Aujourd'hui, vous me voyez, aujourd'hui, là, maintenant, je suis dans la chambre de mon fils. Je pense que vous avez vu le retour de course, que je vous ai, beaucoup d'entre vous me dire, il n'y a plus de retour de course, ça fait malheureux, il n'y a plus de retour de course. Eh bien, il fallait voter, le retour de course, il était là, même qu'il était petit, il était quand même là, le retour de course. Mon fils a reçu sa nouvelle... son nouveau appareil, il est en train de tout programmer. Et aujourd'hui, on a beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire. Il est déjà midi 35. Il est midi 35 et on a énormément de choses à faire. On est déjà parti depuis ce matin. Et là, maintenant, on est avec le full ventilateur parce que tellement qu'il fait chaud. En bas, j'ai déjà mis le ventilateur aussi. Le ventilateur est en train de tourner aussi en bas pour dire d'aérer en bas aussi. Ça marche plus? Donc là, ma fille est en train de nettoyer la chambre. Puis après, elle va nettoyer... La salle de bain comme il faut, parce qu'avec les chaleurs il y a beaucoup de pollen, plus les poils de ce genre poilu là, vous voyez qui est sur son arbre à chat lui. Donc elle va aussi faire la chambre de son frère, elle va aussi faire la chambre de son autre frère et puis le corridor jusqu'en bas des escaliers et le reste en bas ce sera moi qui le fera. Donc voilà, il fait chaud, mes amis. Il a plu un petit peu là tantôt, on est revenu, on avait de la pluie sur nous qui tombait, mais ça faisait du bien, parce que même qu'il faisait chaud, on est parti comme ça, on est revenu un petit peu mouillé, hein, mais ça va. Mais par contre, j'ai hyperbement chaud, et j'ai pris de ces couleurs, mes amis, un truc de mal à regarder ça, j'ai pris de ces couleurs. Et je ne suis pas partie en vacances. Hein, et j'ai pris de ces couleurs. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont dit, comment va ton bras? Sachez que depuis que... Quand il y a eu les grosses chaleurs. Donc ici, nous autres, il y a pas... Il y a eu hier, on a eu des grosses chaleurs qui sont encore tombées. La nuit de... avant-hier à hier. Hein, donc la nuit. J'ai eu terriblement mal. À force que c'est une pommade, un genre d'antibiotique. Ça m'a brûlé le bras. Il y a des cicatrices phénoménales à mon bras. Et depuis, je peux dire, depuis ça va mieux. Depuis hier, ça va mieux. Donc je lave en même temps mon bras à chaque coup avant de remettre de la pommade. Je suis obligée de laver pour pas que ça brûle encore fort. Parce qu'il y a un antibiotique dedans. Sinon, voilà. Ce que vous entendez, c'est ventilant. Vous êtes vraiment à côté. Mais voilà, donc... ou sinon maintenant ça va mieux, quand il fait moins chaud, j'ai moins mon bras qui brûle. Mais bon, vous voyez, le bras commence à aller mieux. Hein. Vous voyez, ça commence à aller mieux. La plaque, on ne la voit presque plus. J'ai déjà moins mal. C'est que le soir qu'on le sent. La journée, ça va parce que... Comme on bouge beaucoup, qu'on fait des choses à faire, on ne sent pas la douleur, mais... C'est le soir, quand on est calme, paisible, on regarde la TV ou quoi, que là on sent. Que là on sent. Alors autant vous dire que je pense que cette
que ça ici, je vais faire une vidéo de 2 jours. Comme ça, je l'aurai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est jeudi. Demain, c'est vendredi. Donc, vendredi, je reprendrai les vidéos. Et au moins, vous aurez une vidéo de 2 jours un peu plus long. Hein, un peu plus long que d'habitude. D'habitude, c'est un peu court. Mais vous aurez 2 jours de vidéo qui sera un peu plus long. Alors, en pensant que d'un côté, j'ai... Ah ouais. Oh, c'est dégueulasse. Merci Minou. L'eau propre. Ça c'est l'eau propre. Et à côté c'est l'eau, lire là, c'est l'eau sale. Mais ça c'est l'eau propre et ça c'est l'eau... Non, ça c'est l'eau sale. Mmh. Ça veut dire c'est l'eau qu'elle rince. Et ça c'est l'eau qu'elle prend pour nettoyer la chambre. Alors ici, autant vous dire, je n'ai pas encore rangé la chambre de Brandon. Je la rangerai peut-être demain, c'est sûr demain, hein. Je dois encore aspirer ça avec l'aspirateur, mettre des trucs dedans et aspirer. Je dois remettre tous les vêtements ici à place, faire le lit du gamin parce qu'il n'est pas fait, et alors ranger tout ça ici. Ne fais rien, je vais faire le tout lit bordel du gamin. Ici. Oh hein? Ne fais rien, je vais faire le lit. Ouais, mais alors il faut remettre tous les vêtements à place aussi alors. Bah tu remettras à place. Mais même s'il faut, tu vas chercher une manne et tu mets dedans. Et je ferai après. Si tu veux. Donc elle va faire le lit. Comme ça, moi, je ne devrais pas faire le lit. Elle va prendre une manne comme ça. Elle va mettre tous les vêtements dedans. Ça, il faut le faire avec l'aspirateur. Ça, je vais le faire après. Parce qu'elle s'est pris une couverture parce que... Elle a son cul qui colle sur sa chaise collante. Donc ici, là, elle a fait la chambre. Elle zappe en arrière, elle. Et après, elle fait la pièce ici. Et après, elle va faire la chambre de son frère le temps que nous on part. Ça veut dire celle-ci à côté. Et après, elle va faire l'autre tout doucement. Et puis, elle va faire le corridor à son aise. Et elle va être toute seule ici avec le chat. Donc, il n'y a pas de souci le temps que nous on a à faire ce qu'il faut faire. Hein. Parce qu'on a un truc à aller faire, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais on ne sait peut-être pas. Pour l'instant, on avance nos petits trucs et nos petits projets. Hein. Mais c'est vrai que c'est rare que je vous filme étant en haut. Hein. Là, j'avoue. Là, j'avoue. Hein. Allez, je vous coupe parce que il y a des droits d'auteur après. Hello, hello, mes amis. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous reprends le lendemain. Donc, c'est dire hier, quand je vous ai fait la première reprise, je ne vous ai pas repris après. J'avais tellement de choses à faire aujourd'hui qui compte que j'ai encore tellement de choses à faire. Donc, aujourd'hui, le gamin vient aujourd'hui. Donc, j'ai intérêt de remettre toute la maison en ordre. Mais premier, je dois aller ramasser le courrier chez quelqu'un de la famille qui est parti au Maroc. Donc, je dois aller ramasser le courrier parce que eux arrivent bientôt du Maroc. Cette semaine-ci, j'aurais pas su aller chercher pourquoi. Parce que il faisait trop chaud, il faisait trop lourd et j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc d'un côté, j'avais pas envie de le faire et j'aurais même pas su le faire. Bon, je vous pointe via Poupousse et que vous me voyez pas, il vaut mieux parce que je suis en débardeur. Donc c'est le chien qui vous parle là maintenant. C'est oui, il a dit ça, c'est pas moi hein. Donc autant vous dire que vous savez quoi, je vais vous mettre par elle parce que je sais bien, vous la voyez rarement, hein. Donc, autant vous dire qu'aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que j'ai à faire. Donc, j'ai à remettre toute la pièce ici. Hein? Bonjour, toi. Bonjour. C'est lui, hein, que je parle. Bon, j'ai tout ça à remettre à place. Déjà ici, j'ai déjà, autant vous dire, vidé tout le coin de la table qu'il y avait sur le salon. Obligé. Parce qu'il y a eu des cas un peu, il y a eu des problèmes un peu spéciaux la dernière fois, donc il va aller mieux que je le fasse maintenant.
Niveau ici, je dois remettre à place. Bonjour le chat. Alors ici, je dois remettre aussi à place, retirer ce qu'il faut retirer, tout ça. Regardez la petite tortue. Oui. Elles ont rapt ici. Tous les petits trucs, ils ont rapt ici. Ça, si vous voulez savoir, pour ceux qui s'intéressent, niveau, ça se trouve. Il y en a à Lidl. C'est des manches insectes. Ce sont des plantes mangeurs d'insectes. Voyez, hein? Ce sont des mangeurs d'insectes. Ouais, ce sont des mangeurs d'insectes. Bon, elle a pris un peu de coups de chaud parce que là où elle était, en plus, il faisait très très chaud. Donc, c'est des coups de. C'est des plantes de mangeurs d'insectes. Donc, j'en ai pris direct à Lidl parce qu'on est envahi de moustiques et tout. Mais elle ne fait pas encore effet. Hein. Je vous avoue qu'elle ne fait pas travail. Quoi ? Oh, laisse-le tous les deux. Alors, autant vous dire que je dois replier le plaid qui est là-bas, arranger un peu le fauteuil. Je dois ranger toute ma cuisine qui est là, oui. Ça fait combien de temps que tu lui fais les draps, sinon ? Ça, j'attends l'hiver. J'attends que l'été soit fini. Et quand l'été est fini, 6 mois, au mois d'octobre. Au mois d'octobre, on pourra les changer. Un peu avant Halloween. Halloween, c'est au mois d'octobre. C'est comme ça que ça marche. 6 mois. Moi, je laisse 6 mois et après les 6 mois, on pourra changer tout le salon. C'est un bon moment qu'ils sont là. Hein. Ben, 6 mois, Fleur, Cindy, qu'il faut. Il n'y avait pas longtemps que je les avais changés. Un peu avant l'été que je les avais changés. Oui. Il n'y a pas longtemps que je les avais changés. Bon, donc ici, autant vous dire, je dois ranger tout ça. Regardez ce qui doit être mis dans la vaisselle, ce qu'il faut laver à la main. Puis ranger tout le bordel qu'il y a là, mettre les affaires qui est à mettre pour mettre dans la poubelle. Ensuite, je dois balayer un petit peu ici par terre parce que le chat a fait beaucoup de trucs avec ce genre-là. Bon, tu vas arrêter de te foutre de ta mère, toi, ouais. Puis ma fille, elle doit monter ses produits là. Oui, c'est mon fils qui y faisait le singe. Il aime bien m'emmerder quand je vous fais des vidéos sur YouTube. Donc ça, il doit le monter en haut pour pas que l'autre y joue avec. Alors ici, j'ai toute une bâtée de linge à faire. Donc on a encore nos vêtements de sport qu'on n'a pas encore mis à laver. Parce qu'autant vous dire que j'étais au sport mercredi. Je suis rentrée, j'étais mouillée. Ça veut dire avant, quand j'ai fini de faire le sport, j'étais mouillée, mes amis. Donc, on a pris direct une douche. La preuve, mon tas de vêtements, il est là. Et ça nous a fait du bien. Donc, il faut ranger, il faut faire ça. Et donc, je vais en profiter que le gamin, il revient pour faire avec ses vêtements. Comme ça, au moins, je fais le tout ensemble. C'est pour ça que j'ai laissé ça. Depuis 2 jours, on a descendu les vêtements. Il y en a encore en haut. Donc, on fera ça, mais ça, je le ferai ce week-end. Ça, vous voyez, ça, je le ferai ce week-end, comme lui, il vient, donc je profiterai de faire ça ce week-end. Et, vous voyez, bon, ça, niveau de là, il n'y a pas grand-chose, à part les lessives. Et il y a le lit de mon autre fils, il y a le lit de mon fils à faire aussi. Il y a à préparer le manger pour quand il revient, comme ça, au moins, je suis sûre et certain. Regardez la plante, comment elle pousse. Ça, c'est la plante, il y en a beaucoup qui m'ont dit... c'est quoi le nom de la plante? Eh bien, autant vous dire. Bienvenue aux nouveaux ou nouvelles, qui que vous soyez. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux qui sont revenus, qui sont venus via la chaîne. Donc, bienvenue à ces gens-là. Vous ne serez pas déçus d'être là. Si au cas, il y a des trucs que vous voulez voir, ben, allez voir sur ma chaîne. Vous ne serez pas déçus, il y a des choses que peut-être que vous aimerez, des choses que vous n'aimerez pas. Autant vous dire, pour ceux qui me demandaient, oui, tu ne fais plus des recettes ou des, comment, je veux dire ça, des retours de course ou des menus ou tout ce que vous voulez. J'attends que l'hiver, que l'été passe pour refaire tout ça, je vous avoue. Que j'attends tout ça. Donc, quand l'été sera passé, quand il fera moins chaud, parce que quand moi, il fait trop chaud, moi, j'arrive pas, voyez, à travailler sur le fourneau qui est là. Après, vous transpirez comme un bœuf. Donc, ça, plus la chaleur, ça fait beaucoup. Donc, autant vous dire que les menus, je les ferai, je vais recommencer tout ça. Ne vous inquiétez pas pour ça, pour ceux qui se demandaient. Mais, niveau ménage et niveau menu, je recommencerai
bientôt de cette semaine-ci. Ici, je recommence à reprendre le sport. On a recommencé à reprendre le sport depuis mercredi. Donc, une chose à la fois, on commence. On recommence à faire tout ça en pensant que je vais recommencer à faire mon sport niveau de la maison, mais qui ne durera peut-être pas longtemps parce qu'avec la chaleur qu'il fait dans la maison, c'est un four. Mais autant vous dire, j'ai intérêt de reprendre mon sport. Si je ne vous dis pas les tailles de cuisses que j'ai, regardez-moi ça. J'ai des cuisses, mais énormes. Hein. Je ne vous parle pas du bide que j'ai là, hein, mais je vous parle des cuisses, vous voyez. Elles sont énormes. Hein. Donc, j'ai intérêt, ce qui s'appelle, de faire du sport. Donc voilà. Alors autant vous dire que j'ai tout ça à faire. En plus qu'il faut aller ramasser le courrier. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller s'habiller, moi et ma fille, ramasser le courrier. Ouais. Donc je vais aller ramasser le courrier de chez mes parents. Puis je reviens. Puis moi et ma fille, on va faire des courses. Ah non, écoute. C'est quoi ? Je m'y attends. Ramasser le courrier. On va aller chercher le courrier. Puis après, on revient ici, je pose le sac ici. Puis de là, on fait les courses. Je parle avec le courrier à faire les courses, hein, Florian, Cindy. Hein. Bah oui, réfléchis un peu. Non, on peut y aller après. On va en amener les courses. De quoi ? Non, j'aime mieux d'un côté aller ramasser le courrier chez papy, chez mamie, voir ça du courrier, et si pas, ben je reviens ici. Hein. Ben, tu vas chercher le courrier, tu me sonnes, et voilà. Quoi que ce soit. Ouais, en plus, c'est chaud. Mais demande à Florian, il est là, tant que tu es ici. Non, c'est pas à propos de ça. C'est à propos parce que dans ma carte, il n'y a plus d'argent. Mais je paye tout le temps pourtant. Quand je t'envoie des messages, c'est bloqué. Ça a dit que les messages sont bloqués. Ouais. C'est chez qui que tu es, c'est Scarlett. Bon, je vous reprends tantôt, mes amis. Hein. Bon, mes amis, je suis revenue d'avoir été faire les courses, aller ramasser le courrier de la personne où je dois ramasser le courrier. Autant vous dire que je vais vous faire un petit retour de course. Donc on a fait des courses, je vais vous faire un petit retour de course, comme ça vous aurez encore reçu encore un retour de course en même temps. Donc celui-là vous l'aurez direct, je vais l'envoyer direct, ce retour de course là, et ensuite peut-être demain vous aurez cette vidéo aussi ici que j'ai fait là depuis hier et depuis ce matin. Et là maintenant, comme ça, vous aurez un petit peu le capot. Ainsi, vous aurez eu une vidéo aujourd'hui. Demain, vous aurez cette vidéo aussi. Je pense pas qu'après-demain, je vous ferai une vidéo. Je pense que je vais plus être réservée pour mon fils. Autant vous dire. Et autant vous dire que hier on a été voir le bien. Et le bien est beau, magnifique. Je ne peux pas vous en dire plus. Je tiens pour nous. C'est une bonne bâtisse, mais il y a des travaux à faire. Hein. Mais ça, bon, vous allez me dire, je suis jeune, les travaux, ça peut se faire, il n'y a pas de souci, il suffit. Hein. Bon, il y a peut-être l'électricité à refaire, peut-être le sol à refaire, côté vitre à refaire, mais ça, il y a à rafraîchir, c'est surtout plus les murs, mais vous savez bien, vous autres, que rafraîchir les murs, il n'y a pas de souci, qu'on sait rafraîchir sans problème. Et... Quoi t'as trouvé ? Ma fille, elle a acheté des bouteilles qu'on a achetées sur TikTok. Et donc, elle essaye de voir comment il faut faire. Allez, je vous reprends tantôt. Je vais faire le retour de course et je vous reprends après. Bon, mes amis, je vous reprends depuis là tantôt que je ne vous ai plus repris. Autant vous dire, quand je vous ai dit que j'allais faire le retour de course, j'ai fait le retour de course. Il est en train de s'envoyer via
via. Hein? Pour après l'envoyer sur Facebook, sur YouTube. Donc ça sonnerait tout doucement, ça est là, mes amis. Pleurez pas, ça est là. Ça est là. Bon. Le gamin est rentré, il est là. Autant vous dire que j'ai déjà préparé pour une brocante. J'ai une brocante bientôt qui va se faire le mois prochain. Je vous filmerai de tous les détails. Il y a une brocante qui va se faire le mois prochain. Je savais pas qu'il y avait un truc le vendredi. Le 24. Qu'est-ce qu'il y a le 24 août? Je suis en train de voir parce qu'on a reçu un papier. J'ai parlé pour ceux qui suivent niveau 1, les machins, les fêtes qui se passaient ici. Et donc... Ah mais d'accord. Ça, c'était le mois passé, quoi. Donc, d'un côté, j'ai ici complété pour la brocante qui va se faire bientôt. L'autre, il joue à cache-cache. Regardez. Regardez le chat. Hein. Vous avez la tête, elle est ici. Coucou! Fait coucou beu avec Cindy. Hein. Cindy est de l'autre côté. Elle arrive, fait coucou beu avec Cindy. Tu fais coucou beu? Voilà, il est descendu. Donc, autant vous dire que j'ai réservé ma place pour le 25 septembre. Non. Oui, ma biche. Je peux mettre ça aussi? Ouais. Donc, le 25, on va mettre des totoïs. On va prendre... Oui, on fait à manger en même temps. Donc, on va faire ça. Oh, putain, c'est bien froid. Ça. On va mettre... J'en mets 4 aussi. Hein? Il y en a combien? Il y en a 10. Ben, ça fait 2 chacun. Moi. Alors, on va mettre des tomates. Je vais faire un petit ravi de tomates. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Regardez tout ce qu'il est maintenant. Il est beau, hein? C'est toute beauté, hein? Regardez-moi ça. Petit bidou. T'as ça, ta petite queue-queue. Tire ta petite queue-queue. Voilà. Deux. Je vois rien du tout, hein? T'as tiré ta queue. Et deux. Voilà. Parce que je vois rien du tout avec ta queue. Chacun a deux. Oh, excuse-moi. Excuse-moi, mon amour. Je suis foutu le rideau dans la tronche. Non, mais il reste ça, gars. Ben, vas-y, mets le reste. Hein, c'est pour celui qui veut. Voilà. Ici, on va faire une petite salade. Comme je vous ai dit, on va faire une salade de tomates. Là, c'est tout des trucs achetés à la poubelle. Donc, ce qui est dans le four, ce qui est au-dessus du four, c'est tout pour jeter à la poubelle. Qui est vieux. Donc ici, je vais mettre le reste de salade qui est ici. Il y a du thon dedans un petit peu. Donc on va mélanger, on va remettre une boîte de thon dedans aussi. Je vais faire ça avec. On va mélanger avec ça ici. Il y a assez. Au moins, on a un petit peu de thon dedans. Non, pas mélanger avec ça. Non ? Non. Madame a dit non. Ça pour maman tantôt le soir manger. Ouais, voilà. Ça, on peut prendre comme tu avais fait l'autre fois avec les petits oignons. Allez, viens ici. Ouais. Tu veux déjà chercher des oignons? Ouais, je fais les oignons. Par contre, il faut aller. Sinon, j'aurai plus de place. Ouais, je vais le faire, t'inquiète. Bon, comme ça, au moins, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'avancer. Donc, vous aurez une vidéo de quand on va aller à la brocante et tout. Je ferai une vidéo de tout ça. Alors, je me suis aussi acheté un gros sac de pommes de terre de ferme, hein, de 10 kilos, à 15 euros. Voilà. C'est un camion de ferme, pommes de terre de ferme. Il est passé ici dans la cité. Ah, c'est pour ça que t'as pris. Ouais, il est passé ici dans la cité. Tout de suite, j'ai pris... T'as passé à l'eau? Non, pas encore. J'ai pris tout de suite les pommes de terre. Je me dis, tiens, il est là, ben, je vais en profiter.
Donc j'aurais pu... Oh, ça pue. Tu pues du cul, hein, vieux. J'aurais pu prendre des pommes de terre, dire un sac de 20 euros, mais j'ai pris celui de 10 euros. Tu peux mettre ton téléphone sur un circuit et venir m'aider. Oui, 2 minutes, chouchou. Donc c'est un truc de 10 euros, et au moins si j'en ai pour 12 euros, pour 10 kilos. Donc, voilà. Allez, je vous reprends tantôt, je vais aider ma fille à manger, on va manger, et je vous reprendrai peut-être par après pour clôturer cette vidéo. Je crois qu'on va faire ça. Allez, à tantôt. Bon, mes amis. Oui, il y a une fin à tout, on vient d'avoir fini de manger. Là, maintenant, je suis en train de lire vos commentaires et de valider vos commentaires. Alors, merci pour tous les nouveaux qui viennent d'arriver et qui me mettent des commentaires un peu magiques et fantastiques. En même temps, je suis en train de regarder mes vidéos des gens que j'aime bien. Donc, j'en profite. Hein, et en même temps, je suis en train de valider vos commentaires. Alors, autant vous dire, comme je sais qu'il y en a beaucoup de nouveaux qui viennent d'arriver, des nouveaux abonnés, je pense que samedi prochain, attendez-vous, je pense que samedi prochain, ça je vais le remarquer sur mon... sur mon calendrier, mais je pense... Je penserai bien que je ferai bien un live samedi prochain. Je pense. Je mets un point d'interrogation, mais je pense. Bon, si il y a un petit imprévu, je vous mettrai au courant pour cette semaine-ci. Mais je pense bien que je ferai bien un live pour, je dis bien pour ceux qui viennent d'arriver, je fais toujours des lives que pour les abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés, qui sont non abonnés, ben tant pis pour eux. Mais pour ceux qui sont bien abonnés, je fais des lives pour les bons abonnés. Voilà. Et pourquoi? Parce que quand je faisais des lives simplement avec tous ceux qui me voyaient sur YouTube, il y avait beaucoup de disputes, des gens qui étaient méchants, qui disaient des mots méchants, quoi que ce soit. Alors maintenant, ce ne sont simplement que les abonnés. Et par après, ben, les autres peuvent voir de quoi on a parlé. Et je compterai d'un côté... Faire une première niveau sur YouTube, et oui mes amis, surtout niveau quand on est en live, qui est donc un genre de petit jeu devinette ou quoi que ce soit. Dites-moi si ça vous intéresse et je préparerai ça dans la semaine qui arrive de jeu de devinette où je vous pose des questions et vous me répondez via vos autres pour essayer d'un côté ben, vous connaître un peu plus et... que moi aussi, je puisse vous dire ma façon à moi aussi et que vous, vous appreniez à me connaître aussi. Ce serait un petit peu rigolo quoi. Je crois qu'on va rigoler aussi un petit peu là-dedans. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec du blabla, de ma journée, tout ça, de mon petit dîner que je vous ai... Je pense pas que je vous ai parlé de mon dîner. On a fait, autant vous dire, petit pain... avec genre de sandwich avec une salade aux légumes et tout ça. Donc c'est ma fille qui a voulu ça. Donc on a fait ça, on a bien mangé. On a le ventre bien rempli, mes amis. Eh oui hein, donc ma fille avait commencé déjà à préparer le dîner. Donc voilà le dîner qu'on a fait. Et merci pour la personne qui me dit, mais non, ta maison, elle est pas dégueulasse, mais elle est propre. Oui, certes, elle est propre. C'est vrai qu'on dirait qu'il n'y a rien à ranger, mais quand même, j'aime pas le bordel. Je suis une personne très maniaque. Ah oui, très maniaque. Bon, j'ai pas encore, vous voyez. Autant vous dire, j'ai dormi dans le fauteuil avant d'aller chercher le phénomène que vous voyez. Voilà, là, il y a un petit peu, hein, voilà. Donc, comme ça, vous savez. Et autant vous dire, dans 15 jours, je crois que ce sera pour le 20. Le 20, je pense qu'il y aura l'anniversaire de mon gamin. Je ferai quelques photos que vous verrez sur un des vidéos. Mais ça, je vous en dirai pas plus. Je ne serai pas vous en dire plus. On verra par après. Allez, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de mettre un petit commentaire ici en dessous. Et on se retrouve. Pour un prochain vlog. Bye bye.